Les dernières délégations des forces politiques et sociales du pays ainsi que des personnalités indépendantes ont été reçues par le chef de l'État dans les cadres de consultations présidentielles. Félix Tshisekedi s'est imprégné des propositions lui formulées par ses hôtes en vue de décrisper la situation politique de leur pays. Des partis politiques membres des AAB, du FCC, mais qui ont accepté de se mettre derrière l'initiative salvatrice du chef de l'État, enfin de faire sortir notre pays de ce bourbier où il se trouve. Voilà pourquoi nous avons répondu vite à l'appel du chef de l'État et nous avons bravé et la peur et tout ce que vous pouvez penser. En tant que FCC, nous nous sommes dit non, cette initiative est salvatrice et républicaine pour notre pays et donc nous ne pouvons pas ne pas venir apporter notre petite contribution à cette initiative. Vous savez que dans le FCC, c'est la pensée unique. Lorsque le président honoraire Joseph Kabila parle, et donc c'est amen, mais nous avons dit non. Ce système de pensée unique doit prendre fin. Nous ne pouvons pas faire toute une organisation pour la survie d'une seule personne. Nous avons fait l'organisation, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Nous appelons tout simplement tous les autres membres du FCC à venir nous rejoindre. Demain ou après-demain, ils seront responsables devant l'histoire. Et je me demande quelle histoire ils vont laisser à leurs petits-fils. Mais donc, nous les demandons vraiment de rejoindre l'Union sacrée des hommes.